Mettre fin aux faiblesses de la loi 2013-06 du 25 novembre 2013 portant code électoral en République du Bénin, une juxtaposition de 6 lois régissant les élections, voilà l'objectif visé par ce séminaire national organisé par l'Assemblée nationale. Un séminaire qui réunit les acteurs à divers niveaux concernés. Ces différentes lois, votées entre 2005 et 2012, soit sur une période de 7 années, dans des contextes très différents, ont tout simplement été juxtaposés sans véritable souci d'harmonisation pour former le code électoral en vigueur actuellement au Bénin. Cela crée bien évidemment des dispositions incohérentes, voire polémiques, dont l'application est source de contradictions et parfois de conflits politico-judiciaires. De 1990 à ce jour, nous en sommes à notre 27e loi électorale. Si cette perpétuelle remise à plat est une preuve de la vitalité de notre démocratie, elle nous fait aussi l'obligation de nous interroger sur celles qui nous paraissent désormais les plus adaptées pour les temps nouveaux. Autant de problématiques à résoudre. Ainsi, plusieurs résultats sont attendus par le ministre du Plan et du Développement. Il faut améliorer les instruments de choix de nos dirigeants, les modes de votation, d'animation de la vie politique et de toute leur périphérie, y compris le fichier électoral national. Nous avons l'obligation de bonifier notre démocratie en faisant d'elle une solution pour les populations. Elle ne doit être ni un vain mot, ni une vaine pratique. Il s'agit de faire de la démocratie un catalyseur de développement. Au cours de ce séminaire d'une journée, un document sur les nouvelles réformes du code électoral sera étudié pour être adopté par le Parlement.